Salut tout le monde, bienvenue dans ce Vlogtober numéro 10. On se retrouve pour vous le lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc ce matin, pour nous, le petit programme, c'est que la podologue vient. Donc elle va faire les soins à Gina, voir où ça en est tout ça. Et elle va tenter aussi de faire Dino. Parce que d'habitude, c'était un autre maréchal qui la faisait. Et là, du coup, j'aimerais bien que les deux, elles soient faites en même temps. Donc, pour ceux qui ont un petit peu suivi sur Instagram, c'est vrai qu'ici, j'en avais pas trop parlé. Au départ, quand Dino est arrivé, il y avait un petit peu des soucis par rapport à la prise de pied. Quand je lui prenais les antérieurs, on va aller voir la principale concernée. Hein ? Quand je lui prenais les antérieurs, elle me l'enlevait en fait très vite, elle me l'arrachait. Et les postérieurs, elle donnait des coups en fait, donc c'était un petit peu déjà dangereux et pas fameux pour le podologue, faire les soins de pied, tout ça. Donc on a travaillé pas mal dessus. Donc moi maintenant j'ai plus de problèmes. Elle me donne les pieds sans souci. Elle ne tape plus, elle arrache plus. Donc ça va beaucoup mieux. Donc j'ai dit à la podologue, si tu veux, on peut faire Dino aujourd'hui. Et bon, on va voir ce que ça va donner. Donc il y a quand même eu de la préparation, tout ça. Donc je pense que ça va aller. Et puis écoutez, elle va pas tarder à arriver. Et puis je vous tiens au courant juste après. On fait un petit débrief. Et puis en attendant, je vais leur donner le foin, donner les rations. Et puis voilà. C'est parti! Bon, écoutez, la podologue, elle vient d'arriver. Je vais vous prendre quelques petites images, mais avec mon téléphone. Donc ça sera un petit peu moins de bonne qualité. Parce que je peux pas. Déjà, j'ai pas envie de la prendre en vidéo parce que elle a pas forcément envie d'être en vidéo. Et moi, ça va être plus simple parce que la grosse caméra et en même temps tenir soit Gina soit Dino, ça va pas être possible. Donc voilà, on va commencer. Donc à tout à l'heure. Je suis de retour à la maison pour vous faire un petit débrief sur comment ça s'est passé. Donc, comme vous avez pu voir sur les images, ça s'est très bien passé. Les soucis de Gina sont quasi complètement réglés. Donc, il n'y a quasi plus rien du tout. Donc, il faut que je continue à faire les soins deux fois par semaine. Voilà. Donc,
Elle m'a dit que ça allait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà, ça s'est bien passé pour Gina. Elle a été adorable. Et après, on a fait Dino. Donc au départ, on s'est dit, on va faire juste les antérieurs pour voir comment ça allait se passer. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'étais très contente, super fière de Dino. Elle a mis les membres sur le trépied, tout ça, nickel. Franchement top. En plus j'avais préparé un petit filet à foin pour que ça soit plus facile, on va dire, d'attendre, parce que je sais qu'elle a un petit peu plus de mal à être patiente, Dino. Après c'est un bébé, donc c'est un peu normal, mais franchement ça s'est très bien passé. Donc dorénavant ça sera ma podologue qui va s'occuper des deux louloutes. Ce qui est très bien aussi, c'est que Dino elle a pas trop d'équilibre à gauche, donc c'est à dire quand on lui prend les sabots, elle a pas trop d'équilibre sur le côté gauche. Et en fait, au lieu de, comment je pourrais dire, d'enlever le pied pour pouvoir se replacer, en fait, elle se replaçait d'elle-même. Donc, la podologue faisait que la félicité. Donc, franchement, elle a été super. Il y a des petites difficultés, par contre, pour mettre l'antérieur, donc le membre avant, sur le trépied devant. Vous savez, où il faut mettre vraiment le pied comme ça devant. Elle a encore du mal, en fait, à pas partir en avant et que ça pousse le trépied. Mais ça va venir, elle va comprendre. Mais voilà, franchement, ça s'est très bien passé. C'était nickel. Après, on a fait des petits tests, entre guillemets, de biomécanique pour voir si tout allait bien et tout ça. Et c'est nickel. Donc, que de bonnes choses. Donc, voilà, c'était pour vous faire le petit débrief. Franchement, nickel. On a rendez-vous maintenant le 29 novembre. Donc, entre-temps, moi, j'entretiens un petit peu. Je vous ferai peut-être une vidéo du petit entretien parage que je fais. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit vlogtober avec nous vous aura plu. Et puis on se retrouve demain. Salut !